ta rentrée est effective aujourd'hui. Donc, nous sommes venus ici aujourd'hui saluer toute la communauté éducative d'Adjen, Adjen 1, Adjen 2, toute la communauté éducative de Cocody, toute la communauté éducative de la Drène Abidjan 1. Et à travers cette grande communauté de la Drène Abidjan 1, nous voudrons saluer toute la communauté éducative de Côte d'Ivoire. Donc, chers parents, merci beaucoup. C'est grâce à vous que cette rentrée est effective aujourd'hui. C'est parce que vous êtes venus avec vos enfants, donc qui sont nos élèves, et ils sont tous là présents. Je voudrais vous dire merci. Parce que quand nous fixons la date, il est important que cette date soit respectée. Parce que chez nous, il y a quelque chose qu'on appelle le programme de l'année scolaire. C'est un programme qui dure sur 9 mois et il y a des activités. C'est quand l'année commence à temps et que les activités sont menées qu'en fin d'année, on a de bons résultats. Voilà, c'est pour ça qu'il est important que l'année scolaire démarre à la date indiquée. Donc, je voudrais sincèrement vous dire merci. Avec toute la communauté, tous mes collaborateurs, nous avons reçu des instructions du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, de faire en sorte que les enfants ivoiriens soient bien formés, qu'ils aient une bonne éducation, une bonne formation et puis un bon travail pour être heureux, pour être épanouis, pour que les parents que vous êtes aussi, que l'investissement, parce que c'est un investissement, mettre un enfant à l'école, aider l'enfant jusqu'à réussir, c'est un investissement. Que vous puissiez en retour aussi avoir la satisfaction en voyant vos enfants qui ont réussi et qui travaillent. J'ai dit à tous mes collaborateurs, depuis les drènes, en passant par les IEP, aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école, aux enseignants, même aux COGES, je demande à tout le monde de faire en sorte que nos enfants aient une bonne éducation, une bonne formation. Que chacun joue son rôle. Le chef d'établissement doit être à son poste. L'enseignant doit venir tous les jours à l'école, comme c'est indiqué dans l'emploi du temps. Et puis, il doit faire son travail avec abnégation, avec amour. Vous aussi, parents, je sais que vous faites beaucoup. Mais malheureusement, ce ne sont pas tous les parents. Donc, je voudrais, à travers vous, lancer un appel à tous les parents. Que les parents nous aident à aider leurs enfants, qui sont aussi les nôtres. Ce qu'on vous demande, quand les enfants sont à la maison, il faut les encourager à étudier, c'est important. Et bonne rentrée scolaire à vous aussi, bonne rentrée scolaire à vos enfants.